Retournez-vous. On était avec Damon, pas avec le méchant. À mort les personnes qui seront contre moi. Maintenant, tirez. Brandon Del Silva. Je suis désolé, mais j'ai changé d'équipe pour essayer de rattraper mes erreurs. Je suis dans les bleus maintenant. Je travaille pour le roi Daemon et fier de l'être. Un Del Silva ne m'arrêtera pas. Brandon. Ah, Brandon. Un chouette assistant au début, lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois. Il m'avait parlé de lui, de sa famille, et même de leur passé. Mais, un beau jour, je savais qu'il se passait quelque chose, et j'ai enquêté. Enquêté sans relâche sur lui, sur certaines choses surnaturelles qui se passaient en ville, jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre de Moore. Quelques jours plus tard, Brandon avait appris tout ça et m'avait considéré comme un ennemi. Il a donc décidé de me tomber dessus. Et les balles... Ouais. Les balles ont retenti jusqu'à atteindre mon oreille. Et la douleur, n'en parlons pas. La douleur des balles et encore des balles jusqu'à tomber à terre sans souffle, sans pouvoir me relever. Puis plus rien. Le vide. Le néant. Le noir complet. Quelques heures ou quelques jours plus tard, je ne sais plus, je me réveille subitement. Dans un lit d'hôpital en ayant des troubles de la mémoire. J'avais oublié une grande partie de ma vie. Mais grâce à des flashbacks, des cauchemars, qui m'ont hanté pendant plusieurs semaines avant que je sois capable de me rappeler. Ouais. Ouais. De me rappeler de tout ce qui s'était passé. C'est alors que, depuis ce jour, j'ai joué de cela pour me venger. Ouais. Comme un dicton disait, une vengeance est un plat qui se mange froid. Je voulais tous les faire payer. Mais d'autres occupations sont devenues les priorités, et surtout une, Damon Flash. Après ma rencontre avec Moore et les informations que j'ai pu avoir à droite à gauche, j'ai pu entièrement comprendre la situation. Et j'ai décidé de tout faire, quitte à y laisser ma peau pour sauver l'humanité de cette chose démoniaque, et sauver Damon de cela. Cette entité qui n'en fait plus qu'un désormais. Dommage que le lien avec Brandon était rompu à ce moment-là. Et pour moi, ce n'était que des obstacles prêts à créer un chaos total. Il fallait qu'on agisse vite, avant qu'il ne soit trop tard. Retournez-vous ! Le mot n'existe plus, les gars. On était avec Damon, pas avec le méchant. Le roi des bottes. À mort les personnes qui seront contre moi! Maintenant! Tirez! Gloire au roi des mers! Ici Eric West. Daemon n'est plus lui-même. Il se rend pas compte de la gravité. Il a fait un pacte avec le mal qui est en lui. Et il pense qu'en prenant le pouvoir, il va dominer le monde.
alors que ce n'est pas lui qui le contrôle, c'est ce mal. Si vous recevez ce message, cachez-vous. Il vous manipule, vous n'êtes pas à l'abri. Il vous utilise comme des esclaves. Je suis Eric West et je suis son plus grand ami. Je suis là pour l'aider, mais il pense que je suis là pour me mettre en travers son chemin. Quiconque tombera sur ce message, sachez une chose. J'ai appris beaucoup de l'histoire des Flash et ce sont des personnes de bonne foi. Ce sont des très bonnes personnes. On ne peut pas juger par rapport à leur passé, mais jugez-le pour leur futur, en espérant que le futur soit bon. C'était Eric West. Salut Jason, c'est Angela. Je t'appelle parce que j'aurais peut-être besoin que tu reviennes. C'est vraiment la merde. L'entité démoniaque, tu sais qu'il y a dans mon fils, a repris le dessus. Hier, pour te dire, il s'est fait construire un château. Il a pris une garde royale. Il se fait appeler le roi. Il a dit qu'on était en monarchie absolue. Il a fait une annonce dans la soirée pour réunir tout le monde au cimetière. Là-bas, les gens devaient creuser dans les tombes pour récupérer les corps. Il y avait ton fils, avec ses amis, les nouveaux du gang Double, qui se sont un petit peu rebellés. Malheureusement, le démon a ordonné à ce qu'il soit fusillé devant tout le monde. J'ai essayé de le convaincre autrement, mais il m'a pas laissé parler. Après ça, j'ai récupéré les corps. Je les ai mis dans le stand de tir, tu sais, qui est tout au sud de la ville. Là-bas, j'ai essayé de leur donner des antidotes que j'avais récupérés il y a très longtemps. Mais ça n'a pas marché. Ils étaient brûlés et je pense que les impacts de balles étaient vraiment trop présents. Tu pourras les retrouver si tu veux. Les cinq corps sont tout à gauche, dans le stand de tir. Je me demande si Reeves et Tyrone King ne sont pas aussi coupables de leur mort, parce qu'on m'a dit, et même eux, ils m'ont averti, qu'ils avaient tout balancé à Daemon et aux démons sur le fait qu'on voulait leur mettre à l'envers et construire des choses pour essayer d'éradiquer la menace. On a récupéré le labo Human, mais ça va être très compliqué, j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai l'impression de manquer de temps. C'est pour ça qu'il me faudrait ton aide. Je vais te laisser dans une boîte les clés du nightclub, celui qui est tout à l'ouest de la ville. Et j'ai aussi un code d'accès pour entrer dans un sous-marin. Je vais mettre tout ça dans un bureau de poste, tu pourras aller le récupérer sans problème. Et si jamais tu veux me recontacter, mon numéro c'est le 8232. Voilà. Au revoir. Mesdames et messieurs, what the fuck? Ici Daemon qui vous parle. Vas-y, arrête-toi, arrête-toi. À partir de maintenant, c'est la monarchie absolue. C'est-à-dire que c'est moi qui décide de toutes les lois. Et aussi que j'ai le total contrôle sur vous. C'est moi qui décide de tous les lois. C'est moi votre roi à partir de maintenant. Le roi Daemon. Et toutes les personnes qui seront contre moi mourront sur le champ. Mourront immédiatement. Il n'y a plus de vote, c'est moi qui décide de tout. Je suis votre roi. Aimez-moi ou mourrez. Personne se mettra à travers mon chemin. Je suis meilleur. Je suis le roi Daemon. Je domine tout, c'est moi qui décide de tout.
Hein, Dal Silva. Le petit Brandon. Il m'a tourné le dos. Et il a cru revenir comme ça. Non. Je lui ai laissé sa chance. Il l'a refusé. Maintenant, il paye de ses erreurs. Personne ne m'arrêtera. Je suis le roi. Même pas Da Silva. Oui, j'ai le pouvoir. Je peux contrôler tout. À ma sauce, faire les lois comme je veux. J'ai une armée. De toute façon, à moi seul, je suis une armée entière. N'essayez donc pas de vous mettre sur ma route. Acclamez votre roi, le roi Daemon. Aimez-moi ou mourrez. Ok, à partir de maintenant, la guerre est déclarée. Gang Double 2.0 is back. Tu vas bien? Comment ça, tu vas bien? C'est qui? Tu crois que ça va bien? Écoute, je sais que c'est bien toi, Jason. Ouais, c'est moi. Pourquoi est-ce qu'on se connaît? Non, moi je te connais par rapport à une personne qui était proche de moi. Un proche. Maintenant il est au ciel. Si tu veux plus de savoir sur moi, viens me chercher à l'aéroport. Ok, j'arrive. Bonjour, c'est vous qui m'a contacté? Bonjour. Ça tombe bien. Ouais. C'est vous? Ou c'est pas vous? Ouais, c'est moi. Bon, j'essaie de vous poser la question. Qui je suis? Etc, etc. C'est normal. J'en suis sûr. Je connais beaucoup de choses. Sans même que vous me connaissez. Je sais pas voir si c'est par quel chemin. Non, rentre dedans, on ira plus vite. Ouais, je vais rentrer dedans. Comme je suis rentré dans ton téléphone. T'es pas assez sécurisé. Tout le monde peut te hacker. Bref, c'est pas la question. Alors moi, ça va être simple. Ouais, c'est psycho. Je suis le fils de Rocky. Rocky Underlock. Ouais. Je crois qu'il y a plusieurs Rocky. Il peut en exister plusieurs.
c'était l'un des seuls et uniques. Ça va être simple. Pourquoi vous me connaissez pas? Underlock, parce que je, connais, quand, je vous ai jamais vu. Quand lui, il était pas forcément en ville, il était un peu avec moi. Il m'a raconté ses faits et gestes. Sa voix, ouais, rip là, j'ai mal pour lui, je vous jure. Mais malheureusement, ça fait quelques années que j'ai plus de nouvelles. Mais là, ça fait, on va dire, quelques années que je l'ai cherché. Et là, j'ai entendu des échos qui ne vont pas me plaire. Dites-moi. Je sais pas, j'entends des échos. Avant de le dire, il faut que je confirme. Ne jamais confirmer. Sans preuve. Ce que vous n'êtes pas sûr. Ok, du coup, si vous savez rentrer dans les téléphones, c'est que ça va hacker alors. Ouais, exactement. Ok, je pense que ça va être lourd. Et du coup, votre but ici, c'est exactement c'est de retrouver ce que vous comptez, ce que vous avez des échos et pouvoir régler ça, c'est ça? Ouais. Ok, bon, maintenant mon tour. Alors, moi, je suis ici pour venger la mort de mon fils. J'y suis à quelques jours qui s'est fait tuer et j'ai fait mon retour là, je peux pas accepter ça. Ouais. Venez, on va aller en véhicule, ce sera mieux pour parler. Ouais, bien sûr. Ok, juste une question, vous savez faire quoi exactement dans le hack? Beaucoup de choses. Après, on peut toujours, avec du bon matos, on peut toujours développer un bon matos. On peut toujours développer quelque chose. Mais là, actuellement, je sais hacker des téléphones, des caméras. Et là, je mets encore en place d'autres affaires. Mais bon, là, juste, par exemple, je suis en train d'essayer de voir une espèce, comment on va appeler ça, un prototype pour pouvoir stopper des véhicules à distance. Je pense que ça va être très intéressant en tout cas. Est-ce que vous pourriez me parler plus des échos que vous avez eus? Je sais pas, j'entends avec mes recherches que j'ai fait. Merci les frérots, merci. Est-ce que mon père m'a parlé avant quand j'étais avec lui? Alors ça date. J'apprends que déjà, ce qu'il paraît, il n'est plus de ce monde. Est-ce que ça c'est vrai? Ouais, ça c'est la vérité. Je les ai vus de mes propres yeux. J'ai vu les corps et il y avait mon fils avec. Putain. Du coup, je pense qu'on est ici pour le même problème. Je crois. Mais on va avoir du boulot. Ouais. Du boulot, j'en ai tous les jours. On va devoir avoir comment on peut dire ça? Un cyborg qui se prénomme 666. Ouais. Il veut me voir par rapport avec une personne qui s'appelait Mademoiselle Moore. C'était une amie à moi auparavant. Et ils savent ce qui s'est passé. Du coup, ils aimeraient nous voir pour nous parler exactement car ils ont vu des trucs. Ouais. Et il nous faudrait des noms. Et ces noms-là, il va falloir qu'on leur fait la misère et qu'on les fait souffrir comme ils ont jamais ressenti auparavant.